serai au Palais de la Mutualité de Lyon le vendredi 10 novembre prochain à 20h. La Caravane Amoureuse a été fondée en 2004, promue par l'ONU et portée par l'UNESCO, de la décennie internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix pour les enfants du monde. Depuis 2004, 25 pays ont été traversés. Près d'un demi-millier de caravaniers, de tous âges, tous métiers, tous horizons, ayant un seul objectif, exprimer l'émerveillement pour les autres et ce monde. Depuis presque 15 années maintenant, nous allons vers l'autre, avec de la musique et des étreintes, en montrant par le film documentaire davantage de paix, de solidarité et de conscience environnementale. Je reste convaincu que si nous nous étions comportés ainsi durant toute notre histoire, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Il nous faut résolument montrer la beauté de l'humanité, car on ne peut faire grandir celle-ci qu'en la rendant amoureuse d'elle-même. Il nous faut insuffler dans le cœur de tous la douce certitude que chaque être est inestimable. Vaincre la misère et bâtir la paix, c'est d'abord dire à chacun qu'il est riche de lui-même et riche des autres. Lorsque cela sera intégré, la maltraitance de l'humanité cessera. Puisse cette soirée, les témoins des possibles, nous amener à nous considérer les uns les autres autrement et nous donner plus encore le goût d'oser davantage la vie en délicatesse. Bonjour à tous, je suis Grégory Mutombeau. Je serai présent le vendredi 10 novembre à 20h à Lyon, au Palais de la Mutualité. Au cours de la soirée, les témoins des possibles, je répondrai à l'invitation de Marc Vella, le pianiste nomade. Alors j'aurai plaisir à partager avec vous cette vision de l'exploration de soi qui se traduit, qui se manifeste dans la vie quotidienne, eh bien, par une sorte d'inédit permanent, par une non-répétition. J'aurai la joie de partager mon expérience, ma vision, ma conception de ce qu'est cette exploration, que je peux appeler le grand saut en soi, et qui est une sorte de renouvellement permanent de nos schémas, de nos conventions, du connu, et pour s'offrir tout entier eh bien, à cette inspiration qui nous traverse, s'offrir tout entier à ce chant de l'âme, à ce son du cœur, et qui nous invite sans cesse eh bien, à abandonner le connu, à abandonner l'existant, pour partager l'instant présent et offrir aux autres cette impermanence qui ouvre ces portes-là au monde, qui ouvrent les portes du nouveau monde et qui nous invitent les uns et les autres à toujours sortir des schémas clivants pour embrasser le neuf. Alors c'est une grande joie pour moi d'être là-bas. Cette soirée sera ensuite prolongée par un temps de dédicace, de livres, où j'aurai là plaisir eh bien, à partager des moments de plus grande proximité avec vous. Alors je vous dis à très bientôt à Lyon le 10 novembre. Au Palais de la Mutualité.